11 personnes sont mortes d'un coup de chaleur et de nombreuses autres ont été admises à l'hôpital dans l'état indien du Maharashtra. Le drame s'est produit dimanche lors d'une cérémonie de remise des prix parrainée par le gouvernement sur un site exposé à des températures avoisinant les 40 degrés Celsius. Des politiciens de haut niveau étaient présents à la cérémonie, parmi lesquels le ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, et des dirigeants du BJP, le parti au pouvoir. Les autorités locales ont exprimé leurs regrets et ont annoncé des mesures d'indemnisation pour les victimes. Le plus grand parti d'opposition du pays a accusé les organisateurs d'avoir mis la vie des gens en danger.